on s'excuse, on a commis une petite erreur dans la programmation. Effectivement, nous avons un rock flash sur Sons of the Desert, mais bon, on s'est trompé. Donc, on va voir ce rock flash à l'instant et on vous revient. Ça fait combien de temps que The Sons of the Desert sont ensemble? Plus qu'un an. On a commencé novembre 85. Ça fait plus qu'un an maintenant. Et au bout d'un an, est-ce que combien de chansons avez-vous composées à date? Oh, beaucoup, mais il y en a quelques-unes qu'on n'aime pas. On n'est pas trop contente avec eux alors. À peu près 20 qu'on joue. Qu'on joue maintenant, oui. Oui. Et si on vous demande quel style de musique vous faites, qu'est-ce que vous répondez? Demande pas ça. Oui, c'est assez difficile à répondre à quelle sorte de musique qu'on joue, parce que c'est vraiment une mêlée de toutes sortes de musiques, parce que tous les membres ont venu de différents backgrounds. De différents endroits. D'endroits de musique, oui, exactement. Influence musicale. Neil a pris des cours de musique sur le clavier classique, et il aime des blues. Et moi, j'ai venu dans un milieu punk et hardcore, je dirais. Mais tout le monde, je pense que ça vient du punk, mais c'est aussi beaucoup de pop. Vraiment. Assez power pop, I guess. Donc, félicitations, Sons of the Desert, pour ce spectacle au Rising Sun vendredi dernier à Montréal. La foule était complètement en délire et ont apprécié ce spectacle. Donc, si vous entendez parler de ce groupe aux alentours de chez vous, eh bien, allez les voir, vous ne serez pas déçus. C'est du power pop, une nouvelle sorte de musique très appréciable.